Amen. Amen. Regarde ton voisin et dis-lui, Dieu est bon. Look at your neighbor and tell him, God is good. Il a envie de te demander, quel Dieu? Dis-lui, mon Dieu est bon. Say, my God is good. All the time. Tout le temps. Que son nom soit béni. May his name be blessed. À jamais. Forevermore. Je souhaite à tout le monde la bienvenue dans la maison du Seigneur. I wish you a warmly welcome in the house of the Lord. Que Dieu bénisse ses enfants. May God bless his children. Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu ici dans la maison? Is there any child tu of God béni, in this tu es béni, tu es béni, tu es béni, tu es béni. You are richly blessed. Alléluia. Amen. Et je souhaiterais que tu donnes une forte acclamation pour bénir ton Dieu qui te bénit ce matin. I wish you give a very loud clap offering to thank your God. Amen. Amen. Il est bon de se retrouver dans la présence de Dieu. It's good to come in the presence of God. C'est le lieu le plus sûr au monde. It is the surest place in the world. Aujourd'hui, il n'y a plus d'endroit sûr sur la terre. So here, there's no place where you can be at safety. Même les grandes puissances ont des problèmes. Even, I mean, powers of this world has malgré their own difficulties. L'évolution de la technologie. Despite the evolution of technology. Malgré leur système de sécurité. Despite safety security system. Qui est à la pointe de la technologie. That is far advanced in technology. Malgré ça, il y a des infiltrations. Therefore, there are still breakthroughs. Les ressortissants de ces grandes puissances là. And the people from these great powers, great nations, ont des problèmes. Faces problem. Mais si je peux parler au monde, but if I can speak to the world, je dirai au monde, I will tell the world, le lieu le plus sûr sur cette terre, the surest place on this earth, c'est la présence de Dieu. Qui a dit amen? Of God, who can say amen? J'aurais pu dire c'est la maison de Dieu. I could even say it's the house of God. Mais je vous dis ce matin, c'est la présence but de Dieu. Rather, I tell you, it's the presence of God. Et le nom de Jésus est aussi un lieu. Qui a dit amen? And the name of Jesus is also a place. La Bible dit quoi? Le nom du Seigneur. The name of the Lord. Ça peut être Adonai. It can be Adonai. El Shaddai, le Dieu puissant. The Almighty. Jéhovah Jireh. Le nom de l'Éternel. The name of the Lord. Est une forteresse. Is a strong tower. Yeah, j'aime ça en anglais. Strong tower. C'est une forteresse. It's a strong tower. C'est plus qu'un bunker. It's more than a bunker. La Bible dit que le juste y accourt. And the Bible said the righteous run into it. Quand le juste va partout et il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas d'assurance. When the righteous goes everywhere and there is no il peut se cacher dans le nom de Jésus. He can find a security in the name il of Jesus. Il peut trouver un abri, une protection, une couverture dans le nom de l'Éternel. He can find a shelter in the name of the Lord. C'est pour cela que David a dit à Goliath. That's why David told Goliath. Tu viens contre moi avec la lance et le. You come against me with the spear and the javelin. Mais moi, je n'ai rien d'autre. But as for me, I have nothing que else. Que le nom de l'Éternel. But the name of et the Lord. Et moi, je viens contre toi. I come against you. Au nom de l'Éternel. In the name of Jesus. Et dès que David a dit cela, and David said le ciel that, l'a couvert, le ciel l'a protégé. And heaven protected him and covered et Goliath him. Ne pouvait plus contre, rien contre lui. Could no more do anything je against dis à quelqu'un ici, I'm telling someone quel que today, soit les troubles sur cette terre, yes, tu peux trouver refuge dans le nom de Jésus. You qui a dit un grand amen? A refuge into the name of the Lord. Tu peux trouver refuge dans la présence de Dieu. You can find a refuge in the presence of God. Là où deux ou trois sont assemblés. Wherever two or three are l'Éternel gathered. Dit je suis présent. Lord said I am there. Et moi ce matin je sens la présence de Dieu ici. And this morning I can feel the presence of God here. Je sens la présence de I Dieu. I feel it. Et parce que je sens sa présence, and since I feel his presence, je ne crains aucun mal. I fear no evil. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, comme moi, ne craint aucun mal? Are you in the ne crains aucun danger. Ne crains pas pour l'avenir. Evil, no fear parce que for la présence future, de Dieu le couvre. Because the presence of God enlève tes deux mains, balance tes deux mains, dis merci Seigneur pour ta présence. Thank you, Lord, for your presence. Merci Seigneur pour ta présence. Thank you, Lord, for your presence. Merci pour le nom de Jésus. Thank you for the name of Jesus. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni. Blessed be the name of the Lord. Alors, nous voulons partager la parole de Dieu. We'd like to share the word of God ce this matin. Morning. This morning, Dieu nous réunit ici God pour is nous gathering parler. Us to talk to us. Quelqu'un dit parle-moi Seigneur. Speak to me, Lord. Parle à mon cœur, Seigneur. Speak to my heart, Lord. Parle dans ma situation. Speak to my condition, Lord. Parle dans
ma famille. Speak in my family. Dis Seigneur, dis quelque chose dans ma nation. Oh Lord, speak a word in my nation. Dans mes affaires et mon travail. In my business and my workplace. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Amen. Amen. Ce que le Seigneur me donne à partager avec son peuple. What the Lord has laid on my heart to share with you this morning. C'est une parole d'encouragement, une parole très forte. Is an admonishing, a word that is strong to admonish you. Le thème c'est la gloire. The topic is the glory. La gloire dans la souffrance. Glory in suffering. Comme tu n'as pas compris, même amen là, même tu es en train de réfléchir. Non, réfléchis encore. Alléluia. La gloire dans la souffrance. Glory in suffering. Que Dieu nous aide à comprendre sa parole. May God help us to understand his word. Est-ce que souffrance et gloire, ou bien gloire et souffrance vont ensemble? Do glory and suffering go together? Mais le Seigneur me dit, parle à mon peuple. But the Lord told me, speak to my people. De la gloire. To about glory. Et la souffrance. And suffering. Donc la gloire de Dieu. The glory of God. Dans la souffrance de l'homme. In suffering, in people's suffering. Donc la toute puissance de Dieu. The Almighty of God. Dans la vulnérabilité de l'homme ou dans la faiblesse de l'homme. In the shortcoming of man. Qui a dit amen. Who said amen. Dis Seigneur que ta gloire luise sur ma vie. May your glory shine over my life, Lord. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Nous allons prendre notre Bible. Let's turn our Bible. Dans le livre de Exode. In the book of Exodus. Ok. Je vérifie une chose rapidement. Et puis je vous donne les passages de Exode. Dieu bénit sa parole. God bless his word. Amen. Exode chapitre 3, le verset 7 à 8. Exodus 3, verse 7. Exode chapitre 3, le verset 7. Exodus 3, verse 7. Je lis la parole de Dieu. Let's read. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Qui a dit amen? Amen. Et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays. Quelqu'un dit amen. Amen. Dans un pays où coule le lait et le miel. Dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Éthiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens, les Jébusiens, les Toulèviens. Amen. Then the Lord said, I have surely heard the affliction of my people who are in Egypt, and I've heard thy cry because of their taskmasters. I know thy sufferings, and I have come down to deliver them out of the hand of the Egyptians and to bring them up out of that land to a good and broad land, a land flowing with milk and honey, to place off the Canaanites, the Hittites, the Amorites, the Perizzites, the Hivites, and the Jebusites, and all the other ites. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole, dit un amen très vigoureux. May God Alleluia. Bless all his words. Ici, c'est l'Éternel notre Dieu qui parle. Here the Lord our God speaks. Il se révèle à son serviteur Moïse. Revealing himself to his servant Moses. Et il lui parle en ces mots. And speaking, saying, Moïse. Moses. J'ai vu la souffrance de mon peuple. I have surely seen the affliction of my people. Vous et moi, nous sommes le peuple de Dieu. You and I, we are the people of God. En tant qu'enfant de Dieu. As child of God. Hallelujah. Amen. Et le peuple de Dieu qui adore et qui sert Dieu. And the people of God who worship and serve God. Se trouve être dans la souffrance. Is facing affliction. Dans des difficultés. In difficulties. Dans les problèmes.
in problems. Et Dieu, du haut de son trône, voit son peuple dans la souffrance. And God, seated on his throne, can see the affliction of his people. Et Dieu ne fait pas semblant. And God is not like, I mean, de ne pas voir. Trying not to see it. Il voit et il parle de la chose. He sees it and speaks about it. J'ai vu mon peuple. I have seen my people. Dans la souffrance. In affliction. En Égypte. In Egypt. J'ai vu la souffrance de mon peuple. I have seen the affliction Dieu of my nous people. Dit ce matin God is telling us this morning. Que ce n'est pas parce que it's not because nous sommes le peuple de Dieu that we are the people of God, que nous n'allons pas connaître ce qu'on appelle la souffrance that we are not going to undergo ou bien suffering les difficultés or even difficulties. Ce n'est pas parce que tu es enfant de Dieu it's not because you are a child of God, vivant sur cette terre living on this land, que tu ne vas pas connaître ce qu'on appelle la souffrance. That you will not undergo suffering. Voici une image. This is an image. Qui nous montre que des enfants de Dieu telling us that the children of God peuvent être dans la souffrance. Can be in affliction. Peuvent souffrir. Can suffer. Peut avoir des moments difficiles qu'on ne peut imaginer. Can go through tough time that we cannot even peut imagine. Tellement dans la douleur qu'ils se mettront à crier. There will be so much in toughness that they will j'ai begin entendu to shout. Les cris que lui font pousser ses oppresseurs. I have heard the cry because of their taskmasters. Et je connais ces douleurs. And I know these cries and these sufferings. C'est quand même compliqué de savoir qu'on peut appartenir à ce Dieu grand, puissant, qui est capable d'empêcher ces choses-là, mais qui laisse venir ces choses. And it's really not understandable that we belong to such a big God, powerful God, but still we go through such things. La souffrance est une réalité. Suffering is a reality. Aussi longtemps que nous serons sur cette terre. As long as we will be on this land of the living, qui a été jadis maudit par Dieu, that has been cursed by God, à cause de la désobéissance, à cause du péché, because of sin and disobedience, nous connaîtrons la souffrance. We will undergo suffering. Nous connaîtrons les difficultés. We will undergo difficulties. Qu'on le veuille ou non, whether we like it or not, c'est la part des hommes sur la terre. This is the portion of men on earth. Et Dieu du haut des cieux. And God, I mean, said for me, voit avec beaucoup de tristesse, can see with such sadness, avec la douleur au cœur, son peuple dans la souffrance, with pain, seeing his people suffering. Et ça faisait longtemps que le peuple de Dieu en Égypte était dans cette souffrance. And it took long for the people of God to be in this situation. Voilà qu'à un moment donné, Dieu décide d'en parler. And it came a point in time that God decided to talk c'est about c'est intéressant it. Quand Dieu commence à parler de ta situation. It's so interesting when God begins c'est to talk about your situation. Quand Dieu voit les conditions dans lesquelles tu te trouves. And it's interesting when God considers the situation in which mais you are found. Quand Dieu ne te voit pas dans ta douleur. But when God is not seeing in your affliction. Je n'aimerais pas être à ta place. I wish I were quand Dieu décide de fermer les yeux sur ce qui te concerne. When God is shouting his eyes sur ta concerning vie, you, concerning qu'elle soit your belle life, ou pas. Whether it's a good life frère, or not. Ta vie est en danger. Brother, I can tell you, you are in danger. Mais si tu es dans la souffrance, but if you are in dans des difficultés, in difficulties, mais Dieu dit, j'ai vu ta souffrance, but God come and say, I have tu n'es plus en danger. Alléluia. Then you are no more in parce danger. Qu'il fera quelque chose because he is doing, he will do something concernant ce que ses yeux ont vu. Concerning what he has seen. Nous sommes en train de parler ici de la souffrance, mais qu'est-ce que la souffrance? We are talking about suffering, but what is it? Le dictionnaire te dit tout simplement, la souffrance, c'est le fait de souffrir. And suffering. Prenez la rousse, prenez, vous allez voir. When we consider that dictionary, it says that suffering is the fact of la souffrance suffering. Est un mystère, on sait même pas comment l'expliquer. So it is so mysterious that we cannot even explain. Donc la souffrance, c'est le fait de souffrir. So suffering is the fact of suffering. It's et suffer. Souffrir, c'est quoi? What is it to suffer? C'est un état de douleur prolongée. Tu es dans la douleur pendant longtemps. C'est pas une douleur sporadique qui vient, qui va. Tu es dedans. It's a long suffering pain. Amen. Amen. Donc c'est une douleur physique ou morale prolongée dans laquelle tu dures. So it can c'est be, là que ça fait souffrir là quand ça dure la douleur. It can be moral or physical pain that lasts in time. Donc souffrir c'est la douleur. So suffering is pain. C'est la peine, la peine. So it's pain, le tourment. It's being tormented. Je vais ajouter que souffrir ou bien la souffrance c'est même la misère est une souffrance. And I can even add that misery is
La souffrance, c'est une situation compliquée. Suffering is such a complicated situation. C'est quelque chose de difficile dans laquelle tu peux te trouver, ou quelque chose de difficile que tu endures. It can be something difficult you undergo or something difficult you find yourself in. Donc retiens ces grands mots là qui sont c'est la douleur, la peine, le tourment. Tu es tourmenté de toutes parts. So we can keep in mind this word pain, suffering. I mean, being tormented. On dit que c'est une douleur prolongée, mais on précise que c'est une douleur physique et une douleur aussi morale. Ça veut dire que moralement, dans ta tête, tu peux tellement souffrir que tu as piqué une crise. And we can also talk about the moral aspect of it. You can be suffering morally that you can even have an attack. Free dans ta chair. Attack. You can suffer in your flesh. La douleur dans ta chair. The pain in your flesh. Après une blessure, après un accident, après un choc, etc., etc., etc. Whether it can be after an accident, after a stroke, and anything that you go through physically. Quand tu es dans la maladie. Or even when you are Donc sick. Donc c'est ce que Dieu voyait son peuple souffrir sur la terre. And this is what God could consider. Une grande souffrance. His people going through. C'était des pleurs. It was crying. L'esclavage. It was slavery. Le dur labeur. I mean hard. Travailler beaucoup. Labor. Travailler dur. And et gagner peu. Working hard. Working. Semer beaucoup. Sowing much and reaping less. Moissonner peu. Sowing much, reaping C'est less. C'est la souffrance. This is suffering. Mais à un moment donné, il faut que quelque chose se passe. But at point in time, something should happen. On peut pas continuer dedans. À un moment donné, il faut que quelque chose arrive. And at point in time, something should happen. Donc la souffrance est une situation difficile. Suffering is such a difficult Quelqu'un situation. Du Seigneur intervient dans ma vie. Lord, interfere in my C'est life. C'est une situation compliquée. It's such a complicated situation. Mais je veux dire à quelqu'un, elle fait partie de la vie. But it's part of life, unfortunately. Je ne sais pas s'il faut dire malheureusement, elle fait partie de la vie, bien heureusement, elle fait partie de la vie. I cannot say whether it be, I mean, good aspect of it or bad aspect of it. La souffrance n'a jamais arrangé personne. Suffering has never helped quelqu'un anyone. Quelqu'un qui souffre est misérable. Someone suffering is miserable. Mais aujourd'hui, Dieu me dit, parle un peu de la souffrance. So today, God told me, speak about suffering. La souffrance ne vient pas toujours pour te détruire. So suffering does not come every time for destruction. Mais très souvent, la souffrance peut venir comme étant une colle de, ou bien une formation pour toi. Est-ce But que je parle à quelqu'un? Sometimes suffering may come to be as a teacher. Parce que nous, les chrétiens, aujourd'hui, ce qu'on enseigne, c'est qu'on amène une croix sur la souffrance. La réalité est là quand même. And as for us Christians today, we are taught that we put a cross on suffering, but still reality is there. On met une croix sur les difficultés, mais la réalité est là. We put a cross on, I mean, we cross mark difficulties, but reality is still there. Moi, je ne souffrirai jamais. Non. Hallelujah. Amen. 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 Mais la souffrance ne vient pas toujours pour nous détruire. But suffering does not come always to destroy. Dieu peut permettre la souffrance dans la vie de quelqu'un pour construire la vie de la personne. God qui a dit can amen. Allow suffering in someone's life to build his life. La souffrance est aussi faite pour forger quelqu'un. And suffering is also made pour to te forger build un caractère. Up, to build your character. Dieu veut enlever certaines choses en toi. So God will want Dieu to veut remove briser certaines choses dans ta or vie. Break something from your life. Alléluia. Amen. La souffrance, le Seigneur me fait comprendre que c'est aussi une école. And suffering is also a teacher. Dans la souffrance, on apprend beaucoup de choses. And in suffering, we can learn much. Celui qui n'apprend pas and if de cette difficulté, de ses problèmes, from your de sa souffrance, and suffering, il est sûr de retomber dedans et de retomber et de retomber et de continuer will dedans. Keep on falling back in this situation. Mais celui qui tire des leçons, but the one who draw lessons from quand it, quand Dieu te fait sortir, tu es sûr de ne pas retomber dedans. When God calls you to come out from it, you are sure not to fall back. Donc les difficultés, so difficulties, les problèmes, problems, la souffrance peut être causée par des erreurs que toi-même tu as commises. I mean, suffering may be caused by mistakes that you committed before. Peut venir par des attaques dont tu as été victime. Or even from attacks that you have been victim of. Toujours est-il que c'est la souffrance. Though we are talking about toujours suffering. Toujours est-il que c'est douloureux. It's always painful. Ça fait mal. It's painful. On a envie même de se donner. La mort est mieux. Sometimes we even want to die. Mais Dieu dit. But God said. La souffrance est un mystère. Suffering is a mystery. Est-ce que je parle à quelqu'un? Am I speaking to someone?
La souffrance est un mystère. Suffering is a mystery. La Bible dit que Christ a souffert pour que toi et moi nous soyons sauvés. And God, I mean the Bible say, donc dans Christ la souffrance for you and I to be saved. Christ a pu tirer ce que j'appelle le salut. And from suffering God, Dieu will take out salvation. A pu obtenir le salut pour toi et moi. And God were able to take salvation for you and I. Dans la souffrance, in suffering, Christ a finalement obtenu satisfaction. Christ were able to get satisfaction for salvation. Je veux que tu vois la souffrance autrement aujourd'hui. Qui a dit amen? I wish you could consider suffering otherwise. L'ennemi peut envoyer la souffrance dans ta vie dans le but de te détruire. So the enemy can send suffering in your life to destroy you. Il peut envoyer des problèmes et des difficultés dans le but de t'exterminer. So he can send difficulties and problems to your life to kill you. Par la même occasion. But in the same time. Ton Dieu, your God, peut permettre can allow cette souffrance, this suffering, peut permettre can allow cette difficulté this difficulty pour glorifier son nom. Qui a dit amen? His name, pour t'enseigner quelque chose, to teach you something, ou bien pour te forger un caractère. Or to, I mean, il build peut your permettre character que cela arrive dans ta vie. It can allow it to, parce que in your Dieu life, même prophétise, because God himself prophesies, et dit à son peuple, and tell his people, je vais vous envoyer en captivité. I will send you into captivity. C'est la souffrance. That is suffering. C'est l'atrocité. It's atrocity. Voici la prophétie de Dieu pour son peuple. And this is the prophecy of je God for his people. Je vous envoie en captivité. I will send you in captivity. Et il vous annonce les couleurs. So he's telling you what je will vous envoie happen en esclavage. I will send you in slavery. On connaît le sort d'un esclave. We know how a slave is parce treated. Parce que vous êtes un peuple têtu. Because you are a stubborn people. J'ai tout fait, je n'arrive pas à vous redresser. I have made everything possible. You are not. Il y a des situations qui redressent les gens. And some situation need that. Quand il cogne sa tête, lui-même vient et puis il cherche la solution qu'on m'avait donnée, n'est-ce pas? So when you give an advice to someone and he's not following it, you can allow it to go. When he hit his head, he will come back. Pourquoi je dis cela? Why am I saying that? Quand la Bible dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. So when the Bible says everything works together for the good of those who love God. C'est parce que is because tout ce que toi tu trouves mauvais, wherever you ou bien find tu peux evil, trouver mauvais, that you may ou bien tes ennemis peuvent trouver mauvais, that your enemy may find ou dangereux evil, qui peut détruire ta vie, and can destroy Dieu your voit life en cela quelque chose qui peut arranger ta vie. God rather sees something that can better your life. Dieu voit en cela quelque chose que lui peut utiliser. He can see something he can use pour améliorer ta vie, to better your life. La souffrance peut tuer certaines personnes. Suffering may kill some people. Mais la souffrance devient pour un enfant de Dieu une marche d'élévation. And but as a child of God, suffering may become a stepstone to la souffrance n'est pas forcément mauvaise dans le sens où Jésus même a souffert pour toi et moi. So suffering may not be evil aside because Jesus himself suffered for you and I. Donc si tu souffres, so if you're going through suffering, ce n'est pas une raison. It's not a reason pour maudire Dieu. To curse God. Ce n'est pas une raison. It's not a reason de rétrograder. To backslide. Ce n'est pas une raison suffisante. It's not a sufficient pour ne pas venir à l'église. Not to come to church. Est-ce que je parle à quelqu'un? Am I speaking to hello someone? Je parle à quelqu'un qui m'entend. Am I speaking to someone? Alléluia. Amen. Ce n'est pas une raison. It's not a reason. Je suis dans le Seigneur. I'm in the Lord. Depuis même que j'ai accepté Jésus. Since I have accepted Jesus. C'est maintenant mes problèmes se multiplient. I am having much problems. Depuis le jour où tu acceptes le Seigneur Jésus. And since the day you accepted the Lord Jesus, tu deviens l'ennemi officiel et l'ennemi juré du diable. And you become the official enemy of the devil. Donc il va te créer toutes les misères. And he will make everything possible mais to tu dois cause comprendre you to suffer. But you should que le understand diable est aussi un instrument. You should understand that also the devil is a de tool Dieu of God pour accomplir ses desseins pour ses enfants. To accomplish his will for his children. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Are you following me? Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Are you following me? Toutes this les morning actions du diable contre ta vie. Any action of the devil against ne sont your pas life toutes mauvaises. Are not all il y en a. Some il y a of des them actions. Some of them. Il y a des attaques démoniaques. Some attacks dont Dieu a besoin. God need them pour accomplir son plan pour ta vie. Accomplish his plan parce que for your sans life ça, because without il ne peut pas accomplir son he plan pour ta vie. Perform it. La méchanceté des hommes, the wickedness of people,
peut te faire souffrir. Can cause you to la suffer. Méchanceté des autres vis-à-vis de toi. Wickedness of others peut te conduire dans la misère. You, can lead you to misery. Mais Dieu a eu besoin de la méchanceté des frères de Joseph pour envoyer Joseph chez Potiphar, de chez Potiphar à la prison et de la prison où au palais. Alléluia. Amen. Sans la méchanceté de ses frères, sans la souffrance de Joseph, il ne serait pas arrivé là où il est arrivé. Tu veux pas souffrir, mais tu veux réussir. Frère, avant le succès, je veux t'annoncer, selon la parole de Dieu, que la souffrance précède. Qui a dit amen? Donc si tu souffres aujourd'hui, c'est que quelque part, tu peux être dans le plan de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu n'es pas dans le plan de Dieu que tu souffres. Tu peux être dans le plan de Dieu et puis souffrir. Alléluia. Amen. Tu peux être dans le plan de Dieu et puis rejeter, être rejeté de tout le monde. Jésus est venu pour accomplir le plan ultime de Dieu. Mais la Bible dit, la pierre a été rejetée. Mais la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale. Tu peux être la pierre principale de Dieu dans ta famille, mais cependant aujourd'hui tu es rejeté. Alléluia. Tu n'es pas compris. Tu peux être la pierre principale aujourd'hui dans l'église. Tu peux être la pierre principale dans la nation. Mais pour l'heure, on ne te comprend pas. Pour l'heure, on ne t'a pas encore accepté. Pour l'heure, on t'a rejeté. On te fait souffrir. On te donne, on te fait toutes les misères. Alléluia. Mais Dieu est en train de te préparer pour quelque chose qui est devant. Alléluia. Quand tu n'es pas préparé avant de recevoir la bénédiction, quand tu as la bénédiction, tu la gaspilles. Mais quand tu es préparé avant d'avoir la bénédiction, quand Dieu te donne la bénédiction, tu la gères bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. When you are not yet prepared for the blessing and you receive it, you spoil it. But when you are well prepared and you receive the blessing, then you have to know how to manage it. Dis à ton voisin. Tell your neighbor. La souffrance ne vient pas toujours pour te détruire. Suffering is not there always to destroy you. Mais elle vient aussi pour te construire. But it pour te construire. It also comes to build you up. Alléluia. Amen. La souffrance vient pour nous amener aussi à tirer des leçons. And suffering also comes to for us to get lessons. De notre situation difficile. Of our difficult condition. Alléluia. Amen. Je veux dire à quelqu'un ce matin, I'm telling someone this morning, que Dieu nous enseigne des choses cachées. That God is teaching us hidden things. Au travers de la souffrance. Through suffering. Dieu peut utiliser une difficulté. God can use difficulties. Derrière la difficulté. And behind the difficulty. Derrière ce problème. Behind this derrière situation, cette attaque qui est venue à une saison précise. That came at a se trouve ton miracle. Alléluia. Peut se cacher ton témoignage. You can have your testimony. Peut se cacher ton déblocage. You can have, your situation ne vois pas unblocked. Toujours les choses en mal. Don't see things always in the way. Car le Dieu que tu sais, because the God you serve, le Dieu avec qui tu marches, the God with who you walk, est toujours capable de changer les choses. Is always able to turn things around. Hébreux chapitre 5. Hebrews 5. Hébreux chapitre 5. Hebrews 5. Le verset 8. Verse 8. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. May God bless his word. Hébreux chapitre 5, le verset 8. Hebrews 5, 8. C'est ça? Yeah. Alléluia. Amen. A appris bien qu'il fût fils, parlant de Jésus. Il a appris bien qu'il soit fils de Dieu, l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Although he was a son, he learned obedience through what he suffered. Jésus qui connaît toutes choses, qui sait toutes choses. Jesus who knows everything. La Bible dit, I mean, par les choses qu'il a souffert. And through what he suffered, il a appris d'autres choses qu'il ne connaissait pas. Other thing he did not il know. Il a appris l'obéissance. He knew obedience. Que Lucifer n'a pas appris. That Lucifer could not learn because he did not Lucifer suffer. N'a pas appris l'obéissance. Lucifer has not learned obedience. Avec toute la gloire que Dieu lui a donné, with all the glory God toute gave la puissance him, all the bonté power que Dieu lui a donné, and the goodness God gave him. Il est arrivé un moment où il a vu qu'il était il se trouvait égal à Dieu. And he found il se himself égal equal à Dieu. To God at a point in time. Au point il a pris une décision. And then he took a decision. Je vais renverser ce Dieu. I will overthrow this God. Et je vais prendre sa place. I will take his place. Il n'a pas souffert. He did not suffer. Il ne connaît pas les choses de la vie. He doesn't know things of life. Il y a des petites choses comme ça qui lui étaient cachées. And some small things were mais Jésus-Christ de Nazareth. But as for Jesus Christ fils. Of Nazareth, some. Bien qu'il fût fils. Though, although he was le fils a son, est chéri.
and the son is cherished. Il est privilégié. He's he on has prend soin de lui, on s'occupe de lui. He's taken care of. Mais ce fils là, but as for his son, bien qu'il fût fils, though he was son, c'est-à-dire prince, prince, il a souffert. He suffered. Et dans la souffrance, and through suffering, il a appris l'obéissance. He learned obedience. Il a appris l'humilité. He learned humility. Il y avait quelque chose de caché. There was something la souffrance hidden. Est une école. Suffering is a teacher. La souffrance est une université. Suffering is an university. La souffrance est un centre de formation. It is a training ground. Alléluia. Amen. Ne murmure pas pendant que tu souffres. Don't murmur when you are suffering. And you are getting prepared. Ouvre tes yeux. Open your ouvre eyes. Tes oreilles. Open your Seigneur, ears. Qu'est-ce que tu veux me faire comprendre? Lord, what do you want me to understand? Je veux sortir agrandi. I want to get out. I mean, lifted up. Je veux sortir à gaillardi. And love, je veux sortir fort de cette souffrance. Out of this suffering. Je veux sortir victorieux de cette souffrance. I like to get out victorious. Je veux sortir avec quelque suffering. Chose de cette souffrance. I like to get out with something from this suffering. Donc, Seigneur, ouvre mes yeux. So, Lord, open ouvre my mon eyes. Entendement. Open my. Pourquoi tu as permis cela dans ma vie? Why did you allow this in je veux life? Découvrir cela. I like to discover it. Parce que je ne veux plus revenir encore dans cette souffrance. Because I don't want to come back in this je sais suffering. Que tu vas me faire sortir. I know that you will get quand me je out. Sortirai, when I will get out, je ne veux plus revenir dedans. I don't want to donc qu'est-ce que je dois retenir? What can I learn out of it? Appris l'obéissance. Jesus learned obedience. Alléluia. Amen. L'obéissance. Obedience. Si tu ne souffres pas, tu ne peux pas comprendre. If you don't suffer, you cannot understand. La soumission. I mean submission. Il y a des choses de la vie qui vont t'apprendre à ne pas être orgueilleux. And something of life will teach you si not tu n'es to pas be passé par là, proud. If you have not gone through that, tu vas oublier que tu as des pieds que tu marches sur la terre. Tu vas penser que tu as des and ailes. And then you forget that you have feet to walk on earth. That you think that you have wings to fly. Alléluia. Amen. Dis Seigneur, enseigne-moi des choses cachées. Lord, teach me hidden things. Au travers les difficultés que je vis. Through the difficulties I'm going through. Derrière la souffrance de quelqu'un, comme je l'ai dit tout à l'heure, se cache la délivrance. So, behind the suffering of someone, there's deliverance. Quelqu'un est-il dans la souffrance? Is there someone in suffering? C'est ce que Jacques dit. Is qu'il what James prie. Say. May he pray. Alléluia. Amen. C'est-à-dire que la souffrance est un signe pour te dire que ta délivrance arrive. And the suffering is a sign to tell you that your deliverance is ton not problème far. Devient compliqué, maintenant tu en souffres. And your problem has been complicated. Ça peut durer quelque chose de grave. Tough. And it may be even be something very la délivrance serious. Arrive. But touche ton voisin dit la délivrance de l'Éternel arrive. The deliverance of the Lord is oh, la coming. Délivrance de l'Éternel arrive dans ta vie, frère. It's coming in your life. La délivrance brother. De l'Éternel arrive dans ta vie, sœur. It's coming in your life, sister. Je veux dire à quelqu'un. Just to tell someone. 1 Pierre chapitre 5 verset 10. 1 Peter 1 10. Pour Dieu. 1 Peter 1:10, God says, pour Dieu, for God, la souffrance annonce une grande gloire. So suffering is before a great glory. Qui a dit amen? Who said amen? J'ai dit quoi? 1 Pierre? 1 Peter. Ok. 1 Pierre chapitre 5. 1 Peter 5:10. Verset 10. Ok, écoute ceci. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps. Eh, hey, chrétien, faut souffrir un peu. Ah, tu veux tout sur un plateau d'or. So he says, and after you have suffered a little while, okay. The God of all grace. Donc le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus. Who celui même qui vous a appelé, qui vous a sauvé. Vas-y. The God of all grace Christ. Who has called you to his eternal glory in Christ. À sa gloire éternelle en Christ, après que vous ayez souffert, il vous appelle à sa gloire après la souffrance. Donc après la souffrance, vient la gloire. Je vois la gloire de quelqu'un qui est en route. Alléluia. À cause de ce que tu endures en ce moment. And after that, he called you to his eternal glory in Christ. He will restore you, telling you that after the suffering, the glory will come. Donc après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même. Ah, vous affermira, dis encore amen. Il vous fortifiera, dis amen. Amen. Et vous rendra inébranlable. And after you have suffered a little while, the God of all grace, who has called you to eternal glory in Christ, will himself restore you, confirm, strengthen and establish you. Someone say amen. Amen. Pour Dieu.
for God. La souffrance annonce quelque chose de grand. Suffering announces something great. Dieu dit faut souffrir un peu. God says suffer a little. Parce que le malheur atteint souvent le juste. And because woe sometimes reaches the righteous. Mais Dieu ne ferme pas les yeux sur ce malheur. God does not close his eyes on this woe. Dieu ne ferme pas ses oreilles au cri de ce dernier. He does not close his ears to the cry of Dieu l'en délivre one. Toujours. But God always delivers the righteous. Alléluia. Amen. 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 Après avoir souffert un peu, lui-même il viendra te fortifier. After suffering a little while, he himself will come and strengthen you. C'est une formation militaire. It's a military training. Lui-même il viendra pour ta graduation. He will come for your graduation. Tu as réussi à ton épreuve. You've succeeded in il viendra all te décorer. The trials and il viendra and pour ton élévation. He will come for your upliftment. Parce que tu seras préparé. Because you will be prepared. Dieu te voit comme l'or. God see you as gold. On ne met pas l'or dans l'eau glacée. We cannot put gold in, cold water. Si tu veux water, voir la valeur de l'or, if you want to tu see the value l'or, of gold, on ne met pas l'or dans l'eau, dans la crème glacée. We can't put gold in ice cream. On met l'or dans le feu. We put gold in fire. Le feu qui consume le bois, qui consume les tissus, qui consume toute autre chose. And we can see that fire can, consume everything else. Alléluia. Mais quand tu mets l'or, but when you put gold au lieu de le consumer, instead of consuming, au lieu de le calciner, instead of au lieu de le de le détruire, instead of destroying, de le brûler, or burning it, il ressent la beauté, it will bring il ressent la clarté, il ressent l'éclat et la lumière, the beauty and the brightness, il ressent la valeur, the value de l'or of gold. Je veux dire un enfant de Dieu, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il devient de l'or. Il devient de l'or. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il devient de l'or. Il devient de l'or. Même s'il entre dans le feu, le feu ne le consumera pas. Alléluia. La Bible dit quoi? Ésaïe 43. Si tu traverses les eaux, ce sont les difficultés. Elles ne te submergeront point. Si tu traverses le feu, le feu ne te consumera pas. Parce que tu es de l'or. Le feu peut consumer. Fire can burn. Les personnes qui sont venues jeter Shadrach, Meshach et Abednego. Could burn people who went to cast Shadrach, mais toi, tu es différent. In the furnace. Alléluia. You are the God. Mais toi, quand on te jette comme Shadrach, Meshach et Abednego, but when you are cast into the tes fire, cheveux ne prennent pas feu. Alléluia. Tes vêtements ne prennent pas feu. Ton corps ne prend pas feu. Your body will mais not au contraire, ton éclat ressort. But then you ta valeur burn. Ressort. You see your value. Ta chrétienté a de la valeur. Your Christianity Jésus has value. Descend dans ce feu-là, dans toute sa gloire. And Jesus is coming in all his glory in this fire. Au lieu de te voir avec tes problèmes, instead of seeing you with your problems, on voit la gloire de Christ. We see the glory of Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Am I speaking to someone? Est-ce que je parle à quelqu'un? Am I speaking to someone? La Bible dit que après avoir souffert un peu, the Bible says after suffering a little lui-même, while, l'Éternel notre Dieu viendra nous perfectionner. He, our God, will come and il va enlever ce qui était imparfait en toi. He will remove what was not perfect pour te rendre parfait. And restore you. Ne crains pas la souffrance ou bien les difficultés. Don't fear difficulties. Affronte-les au nom de Jésus. I mean, face them in the name il of viendra Jesus. T'affermir. He will come and si hier tu étais, if yesterday. Vacillant, you were, tu deviendras ferme. Then you will be. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Quand on a jeté Shadrach, Meshach et Abednego, when Shadrach, dans le feu, Meshach and Abednego were cast into the furnace, les cordes avec lesquelles on les a liés, the Bible said the rope with which they were tied were burned, sont rompus. I mean, it was broken. Ils étaient limités. This one, ils avaient des liens. They have ils étaient bound. Bloqués. They were limited. Mais Dieu a utilisé la souffrance. But God used Dieu suffering. A utilisé la chaleur. God used, Dieu a utilisé quelque chose de chaud. Something Dieu a utilisé hot. Le feu he used fire pour les délivrer. To deliver them. Le feu que l'ennemi lancera contre toi. The fire the enemy will cast le feu que you. La nature te présentera pour te détruire. The fire the nature will present to destroy Dieu you. Utilisera cela pour briser God tes faiblesses. Will rather pour you briser tes limites et pour te délivrer. And to deliver you. Que ta souffrance. May your suffering on devient un lieu de gloire pour toi qui a dit amen. Devient un lieu de gloire pour toi qui a dit amen. Place of glory for you. Alléluia. Amen. Derrière, dis derrière ma souffrance. So behind my regarde quelqu'un dit derrière mon problème.
behind my problem, je commence à voir un témoignage. I begin to see a testimony. Je commence à voir la solution. I begin to see the solution. Encourage quelqu'un, dis ne te décourage pas. Don't be discouraged. Tell someone. Oh, dis n'abandonne pas. Don't give up. Don't give up. Ne te décourage pas. Don't be discouraged. Tu as deux pas de ton miracle. You are not far from your miracle. Tu as deux pas de ta bénédiction. You are not far from your blessing. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je peux terminer ceci. I'm closing with saying this. Avec la souffrance. With suffering. En disant ceci. Why says this? Jacques chapitre 5 verset 11. James. Maintenant tu interprètes bien. James, c'est quel interprète fait, tu fais? Donc même elle a interprété ça en anglais. Jacques chapitre 5 verset 11. So James 5 11. Voici. Nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Behold. Il y a pas beaucoup de we consider those blessed. Est-ce que le message passe? Remain steadfast. Moi je crois à la parole, je crois pas à tes émotions là. I believe tu dis in amen, the word. Tu dis pas amen, mon amen est dans mon cœur. Je dis amen moi-même et puis je reprends. I say amen. La parole de Dieu dit voici. The Bible says behold. Nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. We consider those blessed. C'est-à-dire sans murmurer, who remain steadfast, sans rétrograder, without backsliding, mais en gardant l'espoir, but keeping en hope, ayant une grande espérance, having a great expectation, en ayant confiance en Dieu, having trust in God, que cette situation ne va pas rester éternelle. That this situation will peu importe remain ce que les gens pensent, despite what peu importe ce que les gens disent, what people are saying, j'ai confiance en mon Dieu. I believe, I trust my au God. Temps marqué, at the appointed au moment time, venu, at the appointed time, au temps fixé par lui, at the time fixed par sa propre autorité, by his own authority, je sortirai. I'll come out. Donc j'endure patiemment. So I am je supporte patiemment. I am même si on se moque de moi pour even ajouter à la chose. Are mocking at me. Et la Bible dit, tu es bienheureux. Alléluia. Les gens peuvent te voir malheureux. People can see Dieu you ne te voit pas malheureux. Unhappy, but parce God que toute chose happy. A une fin. Because everything has an et end. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. The end of everything is tu es dans la souffrance. Beginning. Mais ton Dieu voit la fin de la souffrance. Alléluia. In suffering, but God est-ce que je parle à quelqu'un? Suffering? Am I speaking oh, to someone? Voici, nous disons bienheureux ceux qui on souffert patiemment. Behold, we consider those blessed who remain. Vous avez entendu parler de la patience de Job? Quelqu'un dit oui. Heard of the steadfastness of Job? Someone say, hey. Il a souffert. He suffered. À un moment donné, sa femme dit, maudit Dieu meurt. And at the point in time, his wife c'est quel said, Dieu ça? Curse God il and te donne die. Tout et puis lui-même il arrache. Why is it God? Which God is it? Et that dit, c'est he can possible. Give you everything and je take connais it back. Mon Dieu. I know my God. Il ne m'abandonnera pas. He shall not forsake il me. Ne me laissera pas. He shall not forsake me. Alléluia. Il ne m'oubliera pas. He will not forget je suis dans son agenda. I am in his je agenda. Suis dans son programme. I am in his plan. C'est seulement que le temps n'est pas arrivé. It's just that the time is not même si j'ai due. Tout perdu. Even if I'm not lui, je ne l'ai pas perdu. After him, lui, je l'ai toujours. Lui, il est dans ma vie. Je sens toujours sa présence. I feel his la Bible te demande. The Bible says, est-ce que tu connais l'histoire de Job? Do you know the story tu of sais Job? Qu'il était un homme très riche. Do you know that he was such le plus a rich riche man, de sa vie. The one who was the richest de sa ville. In his epoch. Oui, et puis il avait les plus beaux enfants de sa ville he had the most et de sa région. His, I mean, region. Avez-vous entendu qu'il a souffert? Have you heard that he suffered? Et qu'il endurait cela patiemment? And he, I mean, enjoyed oui. It with steadfastness. Mais est-ce qu'il est resté dedans? Did he remain in it? La Bible continue en the disant. Bible says, avez-vous vu? Have you seen? Ça c'est pas entendu maintenant. Hein? Now it's avez-vous not heard. Vu la fin que le Seigneur lui accorda? Alléluia. The purpose of the Lord. Il y a quelqu'un qui traverse la souffrance ici. Je suis venu te dire ce matin que Dieu t'a fin, t'accorde une fin glorieuse. Alléluia. I have come to tell someone Dieu t'accorde une fin God glorieuse. A glorious purpose à la for fin, you. Dieu lui a donné le double de tout. At the end, God gave him twofold. Oh, quelqu'un est dans la souffrance? So is someone in suffering? Qu'il prie. May he pray. Je veux dire à quelqu'un, ne cesse pas de prier. I tell someone, ne cesse pas de l'adorer. Don't stop praying. Ne cesse pas de le louer. Don't stop ne cesse pas de venir le servir. Don't stop coming ne cesse and pas de parcourir les distances. Don't stop, I mean,
going souffre long un distance. Peu pour le Seigneur. Suffer a little bit. Même si tu souffres 10 ans, c'est peu pour le Seigneur. Even if you suffer 10 years, it's Abraham so much a souffert 25 ans. Abraham suffered 25 après avoir years. Reçu la prophétie et la promesse. After he received the prophecy il a enduré patiemment jusqu'à ce que Dieu fasse quelque chose. Till God perform it. Avez-vous vu have you seen la fin the purpose que Dieu that God a accordé gave to à Job. Job. Je m'appuie sur la parole de Dieu pour dire à quelqu'un je suis le point de paix de ton travail. Il y a une fin glorieuse qui t'attend. Alléluia. Je suis acculé de toutes parts. Ce n'est que le milieu de l'histoire. Ce n'est que le début de l'histoire. Il y a une fin glorieuse qui t'attend. Il y a une fin que tu n'imagines pas qui t'attend. Si tu as vu la fin de Job, if you have seen the end of Job, tu peux commencer à bénir Dieu. Alléluia. Begin blessing tu peux God. Commencer à imaginer la fin que Dieu te réserve. Regarde ton voisin, God prophétise dans la vie de quelqu'un. Dieu te réserve une fin glorieuse. God has a glorious end for Dieu you. Dieu te réserve une fin glorieuse. God has a glorious end for you. Alléluia. Amen. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Because the Lord is compassionate and merciful. Alléluia. Amen. La souffrance nous prépare pour les choses que Dieu a en réserve pour nous. Qui a dit amen? Suffering is preparing us for what God has bestowed for us. Dis Seigneur, je bénis ta parole ce matin. Lord, I bless your name this morning. Je bénis ta parole. Par I your bless name. Your word words. Alléluia. This morning. Mm. On va rentrer dans la gloire pendant quelques minutes. So let's consider. Acte chapitre 1, le verset 3. Acte 1, 3. Il dit, he said, après qu'il eut souffert, parlant du Seigneur Jésus, il leur apparut vivant. He presented himself alive to them after his suffering by many proofs. En leur donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Appearing to them during 40 days and speaking about the kingdom of God. La Bible ne nous dit pas où Jésus était avant auprès so du Seigneur. So the Bible is not talking about where Jesus was before. Il est venu sur la terre, il s'est dépouillé de tout, c'est vrai, il est venu sur la terre pour souffrir et mourir pour nous. So he came on earth to suffer and die for us. Mais la Bible dit après avoir souffert toutes choses, il a donné sa vie, il est mort, il est ressuscité. So after he went through everything, he died and he rose again. Alléluia. Amen. Après ses souffrances, Dieu l'a souverainement élevé. And after this suffering, God he lifted him sovereignly. Et Dieu l'a fait asseoir à sa droite. And God caused him to sit by ici, his la Bible left précise. Hand side. Avant, il était assis où? Where were he avant, seated? Il était où? Where were he seated la Bible before? Précise ces choses-là comme étant une promotion. So God, the Bible is telling about this thing to tell us about his promotion. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. After he suffered this thing, je prophétise sur la vie de quelqu'un. Alive. Ta souffrance ne te tuera pas. Alléluia. Cette souffrance-là, ces problèmes que tu traverses là, ne vont pas t'agloutir, ne vont pas t'anéantir. Au nom de Jésus, qui a dit un amen très fort. What you are going through cannot kill you, cannot ce que tu vis, les gens save. Pensent que tu vas mourir dedans, même when si c'est une maladie. Through, mais je prophétise, die. Tu sortiras et tu resteras vivant au nom de Jésus. Tu en sortiras et tu seras vivant et tu vivras longtemps. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Après qu'il ait souffert ces choses, after he suffered these things, il est mort aux yeux des gens. He died in the eyes of people. Mais Dieu l'a ressuscité. But God raised him up. Je prie maintenant. I pray et j'entends right la résurrection de I quelqu'un qui est en train de mourir dans les souffrances. Tu ne mourras pas, mais tu vivras au nom de Jésus. Je dis, tu ne mourras pas, mais tu vivras au nom de Jésus. Quelle que soit la souffrance dans laquelle tu te trouves, despite the situation je me tiens sur la parole de Dieu pour dire, on the word tu of ne God. Restera pas dans cette souffrance, alléluia. Mais la main de Dieu te fait sortir de cette souffrance. Celui qui dit amen sort d'un problème auquel il est en train de penser. Celui qui dit un amen encore plus fort sort d'un problème plus difficile au nom de Jésus. Que Dieu te délivre ce matin, alléluia. Que Dieu libère ses enfants au nom de Jésus. Le chant dit quoi? Dieu aime ses enfants. Et il fait quoi? Il les délivre de leur souffrance. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu aime ses enfants. Alléluia. Il les délivre de leur
Dieu t'aime trop pour te laisser dans la souffrance. Mais il y a quelque chose qui veut briser dans ta vie. Après cela, et la gloire va venir. Alléluia. Lui, il est dans le message. Hein. Il reçoit. Reçois la double portion au nom de Jésus. Amen. Qui a dit amen? Who said amen? Qui a dit amen à la parole de Dieu? Who said amen to the word la of God? La Bible dit l'humilité précède la. The Bible says you. Mais je viens te prêcher que la souffrance aussi précède la gloire. I came to tell you that also suffering is before glory. Tu ne peux pas souffrir indéfiniment. You cannot keep on suffering. Surtout si c'est pour la cause du royaume. Si c'est pour la cause de Dieu, surtout si tu es un enfant de Dieu, if you are a child of God, il te délivrera certainement. Surely shall he deliver you. Mephibosheth était oublié où à Lodebar. Mephibosheth was left in Lodebar. Dans la misère, in misery, dans la douleur, in pain, dans l'abandon total. In being forsaken. Qui se souvenait de lui encore? Who could even remember Dieu him? S'est souvenu de lui. God remembered Dieu him. A mis son nom dans le cœur du roi. God put his Dieu name a mis sa pensée dans l'esprit du roi. Le roi dit, y a-t-il quelqu'un dans la maison de and the king said, Saül à qui je puisse faire du bien? In the house of Saul to whom I can do Dieu good. A vu la souffrance. God saw the suffering. Quel était notre verset de base? So what was L'Éternel dit, topic? J'ai vu la souffrance de mon peuple. I have seen the suffering je of suis my venu people. Ce matin I have came this de morning la part du Seigneur on behalf of te the Lord, dire to tell you que le Seigneur te dit that the Lord il a vu ta souffrance. Alléluia. Il suffering. Voit tes pleurs de chaque jour. He sees your il connaît tes douleurs. He knows your cries. Il connaît tes douleurs. Exode chapitre 3 verset 7. So Exodus 3, 7. He knows your cries. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Après la souffrance qui t'a englouti. After the suffering that I mean, après qu'il swallowed you up. Il souffert. Il leur est apparu. After he suffered, he came Frère, to them. Dieu he presented en train de te travailler, en train de te polir. So God is working on you. Après cela, ta vraie valeur va sortir. Alléluia. Your true value will come ta out. Vraie personnalité va sortir. Your true personality will ton come vrai out. Témoignage va sortir. Your true testimony ton will come témoignage out. N'est pas encore sorti. Your testimony is not yet out. Parce que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Because not, God is not yet mais done je suis venu you. Te dire par ce message que pour toi aujourd'hui, les jours sont comptés, les heures sont comptées, les semaines sont comptées, les mois sont comptés. Ton témoignage va étonner ton pasteur d'abord et le peuple ensuite et ta famille après. Qui a dit amen? Amen. Celui qui croit en cela dit amen et acclame l'Éternel. Alléluia. Il est fidèle, il est vivant, il est fidèle, il est vivant au siècle des siècles. Que son nom soit béni à jamais. Que son nom soit béni aujourd'hui, demain et toujours. La gloire de Dieu se cache derrière ton problème. So the glory of God is hidden behind your problem. Alléluia. Amen. La gloire de Dieu se cache the glory of God derrière ton is problème. Hidden behind your problem. Jésus était habitué à une famille. So Jesus was used to a family. La famille de Marthe, de Marie et de Lazare. The family of Martha, Mary mais un and jour Lazare était malade. But one day Lazarus was sick. On est venu appeler Jésus, il n'est pas venu. And Jesus was called, he did not come. Mais Marie et Marthe n'ont pas rétrogradé. And Mary and Martha did not backslide. N'ont pas cessé de venir à l'église. They did not stop coming to church. Est-ce que je parle à quelqu'un? Am I talking to someone? Alléluia, je peux bien voir ta main, que Dieu te bénisse. Can I see your hand? C'est très important. This is really important. Il n'a rien dit, ils sont partis. They went and he said. Quand les messagers sont partis. When the, I mean, the le Seigneur who parle à ses disciples. Went, Jesus talk with his disciples. Cette maladie, this sickness, ne conduit pas à la mort. Does not lead to death. Cette maladie, this sickness, dont souffre Lazare, Lazarus n'est pas suffering pour la mort. Is not mais for qu'est-ce death. Qu'il a dit? C'est pour la gloire de Dieu. Le problème que tu traverses, what you are going les gens through. Pensent que c'est pour ton humiliation. Some people think that is for les your gens shame. Pensent que c'est pour ta faim. Some people think les gens pensent que c'est pour ta disgrâce ou bien ta mort. Or for your being to be ashamed mais for ils ne savent pas que au temps fixé, Dieu est sur le point de choquer leur vie. Alléluia. Dieu est sur le point de les confondre. Avec ce qui devait constituer ta mort, mais qui va constituer ta promotion et ton élévation. What was supposed to be a source of death will become rather a source of promotion. Tu peux and perdre ton travail. Perdre ton travail. You can tu even peux. Lose your job. Tu peux perdre tes affaires. You can lose your businesses. Aux yeux des gens, ça paraît désastreux. And to people, it be a disaster. Mais Dieu dit. But God says. J'ai ce qu'il faut. I have what it takes. Maintenant. Now. Pour accomplir son miracle. To accomplish the miracle. Parce que c'est là que tu verras. Then you will see. Même que sans substance.
that without anything. Celui que tu sais s'appelle Jéhovah Jireh. The one you serve, le Dieu qui pourvoit à tous ses besoins, à tous tes besoins, selon ses richesses et gloire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ta vie ne sera plus jamais la même. Je prie que ta vie ne soit plus jamais la même après ce message. Je prie que ta vie ne soit plus jamais la même après ce culte. Que malgré ce que tu endures, tu gardes l'espoir. Que ton espérance soit grande. C'est pour cela que David, quand il était dans la vallée où il y avait les animaux sauvages, il dit: quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est ma souffrance. Je sais que Dieu aime ses enfants et il les délivre de leur souffrance. Dans la vallée, dans la souffrance, dans les difficultés, je garde ma relation avec lui. Je sens toujours sa présence. Il dit: son bâton et sa houlette me rassurent. J'entends le bruit de son bâton comme le berger. I can hear the noise of his teeth. Donc, même dans ces difficultés, je sens sa présence. And even when I'm going through difficulties, il y a des gens qui ont des problèmes, ils ne sentent plus la présence de Dieu. Some people, when they have problems, they go no more. Tu dois sentir sa présence en tout temps, en tout lieu, en toute chose. You should feel his presence in all time. Le fait de sentir la présence de Dieu, ce n'est pas forcément le fait de l'émotion. And feeling the presence of God is not about emotion. Ah, le Seigneur est là parce qu'il fait. Ouh, j'ai des frissons, il est là. I can feel the Lord. Il est dans les frissons. I'm quivering. Dieu n'a jamais dit. God, il dit là où deux ou trois sont assemblés à mon nom. He said where two or three are. Qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid. Je suis présent. Alléluia. Rain, que vous ayez des frissons, que vous n'ayez pas de frissons. Whether you are quivering or not. Si mon nom est invoqué, que vous soyez nombreux ou pas. When my name is called, whether j'entends you are l'invocation de mon nom, je suis là. When I'm called, I'm alléluia. There. Amen. Le Seigneur est toujours avec nous. The Lord is still with même us. Quand on croit, quand on pense qu'il nous a oublié, qu'il n'est pas avec nous. Even when we have, I mean, we think that he's not with us. Il est toujours là. He's still there. Et ce matin, il est avec toi. And this morning, même si tu as pleuré dans la semaine, il est avec toi. Even if he cried during the week, même si tu as connu des moments difficiles, il est avec toi. Even if you went through tough time, même si ce mois n'a pas été bon pour toi, il est avec toi. If this month has not been good for you, il est avec toi. He's still with you. Il est avec toi. He's with you. Quelqu'un lève la main et dit: il est avec moi. Someone say he's with me. Dis: mon Dieu est avec moi. My God is with me. En tout temps et en tout lieu. In all time and every circumstances. Mon Dieu est avec moi. My God is with me. Que son nom soit béni. May his name be blessed. À jamais. Forevermore. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Someone can give a clap offering. Je vais te donner deux, trois éléments et rapidement je termine. Qu'est-ce qui fait descendre la gloire de Dieu? What can cause qui a besoin the glory de la gloire God de Dieu ce matin? Down? Qui veut who voir la gloire de Dieu dans sa vie? Who want to see the glory of God in his life? Qu'est-ce qui fait descendre la gloire de Dieu? What can cause the glory of God in his life, everyone's life? Qu'est-ce qui fait apparaître la gloire de Dieu? What caused the glory of God to come on the scene? Est-ce qu'on va lire? This is what we're going to consider. On va seulement lire Lévitique 9, 6 et puis le reste vous allez seulement copier et dans les 5 minutes qui suivent. Let's read Leviticus. Nous allons prier. Lévitique 9. Leviticus 9. Verset 6. Qu'est-ce qui fait apparaître la gloire de Dieu? What causes c'est faire the glory ce of que God Dieu dit. To come to pass it. Je doing lis la parole. What God wants us to do. Lévitique 9, 6. Leviticus Moïse 9, dit. Moses said. Vous ferez ce que l'Éternel a ordonné. Et la gloire de l'Éternel vous a. Alléluia. And Moses said, this is the thing that the Lord commanded you to do, that the glory of the Lord may appear to you. Moïse dit, vous ferez ce que l'Éternel a ordonné, et la gloire de cet Éternel-là vous apparaîtra. And Moses said, do what the Lord has commanded you, and his glory will come to you. Qu'est-ce qui fait descendre la gloire de Dieu? What can cause the glory of God to come down? C'est faire ce que Dieu te demande de faire. Is to do c'est what l'obéissance. God wants you to do. Is obedience. Au noces de Canaan. And at the the feast of Canaan. Alléluia. Amen. Pourquoi Jésus la gloire de Dieu s'est manifestée? Why did the glory of God manifest? Parce que quand ils étaient devant une situation désastreuse, honteuse pour ce mariage. When they found themselves in such a difficult situation une femme during this à la wedding, personne de Marie leur a dit. So a woman has fait said, tout ce qu'il vous dira. According to what he will command. Quand ils ont fait
tout ce que le Seigneur leur a dit, when they did what prenez les vases qui sont là. Take the pot that are here. À faire les ablutions, à laver les pieds, etc. And they were using it to, I mean, clean themselves. On peut pas prendre ça, mettre la boisson dedans pour servir aux gens. We cannot use it, I mean, to le put, Seigneur dit, prenez I mean, cela. A drink in ils it ont and pris. Serve people. They took mettez-y de l'eau. Ils ont pour pris. Water and they did il a fini de prier, il dit, allez servir comme ça. Dit, on a besoin de vin. And on a besoin said, d'eau. Go and serve it. But they said, allez servir. Wine. Il a ordonné. I mean, they said, faites. Go and serve vous it. Ferez ce que l'Éternel you will do what the Lord has et sa commanded. Gloire apparaîtra. And his glory will come Alleluia. To pass. Amen. Quand ils ont fait et qu'ils ont commencé à servir l'eau, when l'eau s'est changée en vin. And began serving the water turned into wine. Si tu peux obéir à la parole de Dieu, if you can obey the word of God, qui sort de sa parole, that proceed from qui sort word, de la bouche de son serviteur, proceeding from the mouth of la parole de Dieu qui te parvient, the word of God tu verras la gloire de Dieu you see the glory dans tout of ce God. Que tu entreprends. In qui a dit Amen? You shall undertake. Si tu peux obéir aux ordres de l'Éternel, if you can obey the command of the Lord, dans ta vie, in your life, tu verras et tu expérimenteras la gloire de Dieu. You shall experience the glory. Qu'est-ce qui fait descendre la gloire de Dieu? What can cause the glory of God to come down? C'est le fait d'être constamment dans la présence de Dieu. Is being in the presence of God. Deuxièmement, c'est le fait d'être constamment dans la présence de Dieu. Is being in the presence of God. Lévitique 9 verset 23. Leviticus 9 3. Alléluia. Amen. Ils étaient tous dans la présence de Dieu sous la tente d'assignation. They were all in the presence of God under the tent. Et Moïse and Moses et Aaron and Aaron ont prononcé la bénédiction de Dieu sur le peuple de Dieu. Spoke the blessing of God to the people of God. La Bible dit automatiquement la gloire de Dieu apparut. And the Bible says when they spoke sur la vie des uns des autres comme les langues de feu qui étaient apparues sur la tête des disciples. It, à la chambre haute. It, the blessing of God came automatically like the tongue of fire that came on the disciple in the high room. Donc ce qui fait descendre what caused the glory la gloire de Dieu of God sur la vie du peuple de Dieu, c'est aussi la bénédiction que l'homme de Dieu a établi que Dieu a établi sur ta vie prononce sur ta vie. And what caused the blessing of God to come down is the blessing that has been pronounced over your life. Ce matin, this morning, je prononce les bénédictions de l'Éternel sur la vie de quelqu'un I ici. I declare the blessing of God. Je déclare over que someone. Tu seras la tête et non la queue. I declare that you shall si jamais tu étais derrière, if you were behind, que la parole de Dieu que tu entends te propulse en avant au nom de Jésus-Christ. Si jamais tu étais enterré, tu étais enfoui en terre, if you were buried, que la parole de Dieu relève ta tête et te fasse sortir au nom de Jésus-Christ. Je bénis la vie de quelqu'un, alléluia. Si la malédiction était attachée à ta vie, alléluia, j'entends que cette malédiction soit brisée. Qui a dit la main plus fort? J'entends que cette malédiction soit brisée et qu'elle se détache de ta vie et que la bénédiction de l'Éternel qui enrichit s'attache à ta vie, alléluia. Que celui qui dit deux fois amen reçoive la double portion au nom de Jésus-Christ. Et que celui qui a soif désespérément de bénédiction qui dit trois fois amen, que le Seigneur t'arrose trois fois, que la gloire de Dieu apparaisse dans ta vie trois fois. Qui a dit amen, alléluia. Qu'est-ce qui fait descendre la gloire de Dieu? Le dernier point que je vais donner, c'est Nombre 20 verset 6. Quand tu te retire. Quand tu vas en retraite, quand tu sais te retirer, souvent pour aller chercher la face de Dieu, quand tu reviens comme Moïse, quand il a quitté la montagne, il est revenu, la gloire de Dieu était sur lui, a couvert son visage, personne ne pouvait le regarder, il est obligé de prendre un voile pour se couvrir. Apprends à chercher la face de Dieu, alléluia. Learn to seek the face of God. And when you seek the face of God, then the glory of God can also come to you. Pas les programmes de l'église seulement. Not only the program of the church. Pas les programmes de l'église. I mean beside them. Développe toi-même des programmes personnels, your personal, des programmes I mean, spirituels personnels. Spiritual il y a des program. Chrétiens ici. There are some Christians here. Qui est duré dans l'église ou oh, qui n'est pas duré, qui soit nouveau, ils savent même pas prier seul. And they cannot even know how to pray alone. Some Christians ils savent pas who se retirer chercher la présence de they Dieu. They cannot, I mean, withdraw themselves and seek the presence of God. Dis à ton voisin, apprends à aller chercher la présence de Dieu. And tell your neighbor. Go apprends and seek à te retrouver seul avec Dieu. Found yourself alone with God. Alléluia. Amen. Ne faut pas mal prendre mon message pour dire d'accord, dimanche prochain je m'en vais chercher la face de Dieu. So I mean don't à say, partir don't, de 9h. Don't misconsider what I am quelque I'm part telling à Bassam ou à Dabou dans un coin reculé. Next Sunday I'm going to seek the face of God somewhere. Est-ce que je parle not à quelqu'un? Coming to church. À part le programme d'église développe.
So develop une relation personnelle avec Dieu. A personal relationship with God. Tu vas marcher dans la gloire de Dieu. Then you walk in the presence of God. La Bible dit lève-toi. The Bible says arise. Car ta lumière arrive. That your light has lève-toi. Come. Arise. Reste debout. Stand. Ne sois pas abattu. Don't be ne sois down. Pas KO. Don't be prends down. Ta dernière énergie. Take your last lève-toi. Rise. Car ta gloire arrive. Because your je glory prophétise has sur la vie de quelqu'un. Quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu traverses, j'annonce que ta gloire arrive. Alléluia. Ton élévation arrive. Ta percée arrive. Ta bénédiction arrive. Ta porte ouverte arrive. Une vie illimitée arrive en toi. Je dis, ton miracle arrive. La gloire de Dieu apparaîtra sur ta vie. Alléluia. La gloire de Dieu apparaîtra dans ton travail. La gloire de Dieu apparaîtra sur toi à la maison. La gloire de Dieu apparaîtra sur toi dans tes affaires. Si tes affaires avaient sombré, je vois la gloire de Dieu qui vient éclairer. Je vois la gloire de Dieu qui vient illuminer ta vie. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. Je prophétise sur le mariage de quelqu'un. Je prophétise sur la famille de quelqu'un. Que la gloire de Dieu vienne illuminer. Que la gloire de Dieu vienne illuminer. La gloire de Dieu vienne illuminer tes affaires. Comment sont devenues tes affaires? Tu as besoin de quelque chose. Tu as trop souffert. Tu as trop gémi. Tu as été méprisé pendant longtemps. Il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Dans Exode chapitre 3 que nous avons lu au début, j'ai entendu ses cris. Il dit quoi? Je suis descendu. Dieu descend dans toute sa gloire dans tes affaires. Alléluia. Dieu descend dans toute sa gloire dans tes activités. Dieu descend dans toute sa gloire dans ta vie de chaque jour. Dieu descend dans toute sa gloire dans ton mariage. Alléluia. Sur la vie de tes enfants. Ta vie est devenue sombre. Ta vie est devenue terne. Il y a quelqu'un ici, tous les jours tu es malade. Tout le temps tu es malade. Maintenant tu es devenu maladif. Alléluia. Mais la gloire de Dieu illumine ta santé aujourd'hui. La gloire de Dieu illumine ta vie. Et le mal, hein, où la maladie disparaît au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il y a des gens ici, tout ce que vous faites échoue. Tu fais quelque chose ces derniers temps, tu ne comprends pas. Tu as besoin de quelque chose. Tu as besoin de la gloire de Dieu. Mais Esaïe dit, lève-toi, alléluia, car ta gloire arrive. Réjouis-toi car ta gloire arrive. Célèbre l'Éternel. Bénis Dieu. Sois enthousiaste. La gloire dont tu as besoin ne vient pas, ne viendra pas d'un homme, ne viendra pas d'une femme, ne viendra pas seulement de la terre là, mais viendra d'en haut. Alléluia. Dieu ne demandera pas la permission à quelqu'un. Je vois quelqu'un qui reçoit la gloire de Dieu ce matin. Reçois la gloire de Dieu sur ta vie. Reçois la gloire de Dieu dans tes affaires. Que la gloire de Dieu restaure tes affaires, restaure tes finances, restaure ton mariage, restaure tes relations. À cause de la gloire de Dieu, je vois beaucoup de jeunes filles qui sortent du célibat. Vous sortez du célibat. Alléluia. La gloire de Dieu vous éclaire tellement. Dieu envoie un homme dans votre vie. Et pour les hommes, Dieu envoie une femme dans votre vie. Dieu envoie la providence pour le mariage. Dieu envoie la providence pour le mariage. Dieu envoie la providence pour des relations, des bonnes relations, pas des gens qui vont venir nuire à ta vie. Recevez la gloire de Dieu ce matin. Alléluia. Recevez la puissance de Dieu ce matin. Recevez la touche de Dieu ce matin. Quelqu'un reçoit la gloire de Dieu. La souffrance n'est pas synonyme de malédiction. Que tu as péché, que tu es bloqué, que Dieu ne pourra plus rien faire pour toi. Non, c'est un signe que Dieu doit intervenir dans ta vie. Et ce matin, l'Éternel intervient dans ta vie. Alléluia. Est-ce que je peux dire à quelqu'un que tu verras la gloire de Dieu ce matin? Est-ce que je peux dire à quelqu'un que à la fin de ce mois qui termine, dans un ou deux jours, tu verras la gloire de Dieu? Est-ce que je peux entendre un amen plus fort que ça? Oh, est-ce que je peux dire à quelqu'un que le mois qui vient, le mois prochain, tu verras la gloire de Dieu? Qu'est-ce qui fait descendre la gloire de Dieu? C'est la foi. Dans Jean chapitre 11, le Seigneur a dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Si quelqu'un a la foi ici, il dépassera les montagnes. La gloire de Dieu luit sur toi et ta foi ne sera pas vaine. Alléluia. Je dis à quelqu'un, ta foi ne sera pas vaine. Lève tes mains et reçois cela. Lève tes mains. Lève bien ou les mains et reçois la gloire de Dieu. Que la gloire de Dieu descende sur les mains de quelqu'un. Que la gloire de Dieu descende sur la tête de quelqu'un. Que la gloire de Dieu descende sur la vie de quelqu'un et que ta vie soit totalement transformée. Alléluia. Que ton histoire soit totalement transformée. Que ta destinée soit totalement transformée. C'est pas parce que tu souffres aujourd'hui que demain tu ne peux pas entrer dans la gloire de Dieu. Que cette souffrance dans laquelle tu te trouves te conduise, te pousse. Alléluia. Qu'elle te pousse et te conduise dans la gloire de Dieu. Qui a dit amen?
Tu entres dans la gloire de Dieu maintenant, alléluia. Je vois quelqu'un qui sort de la poussière. Je vois quelqu'un qui sort de la boue. Je vois quelqu'un qui sort de la prison. Je vois quelqu'un qui sort des limites et qui franchit les limites parce que la gloire de Dieu l'attire, parce que la gloire de Dieu l'appelle, parce que la gloire de Dieu luit sur lui, parce que la gloire de Dieu descend sur lui. La gloire de Dieu est sur toi ce matin. Toutes barrières et limitations dans ta vie sont brisées. Alléluia, sont brisées. Reçois la gloire de Dieu. Reçois la gloire de Dieu. Que Dieu mette fin à la souffrance de quelqu'un. Alléluia. Que Dieu mette fin à la souffrance de quelqu'un. Aujourd'hui, je prie que cette difficulté-là prenne fin à ta vie. Alléluia. Que cette difficulté-là s'arrête par la puissance de Dieu, par la grâce de Dieu, à cause de sa gloire. Lève ta main. Rabba yanda labadabadabos.